une maison, tu n'as jamais fini. Le pire, c'est la poussière. Il y a toujours de la poussière. C'est terrible, ça, je te jure. Pas pour moi, ça. Il faudrait que j'aie deux femmes de ménage, au moins. Je te jure. Oh, la télévision. À moi, dès que je vois la télévision, ça va mieux. Pas mon truc, moi, la poussière et tout ça. C'est mon truc, en vérité, de rien, je vais te dire, moi. Mon mari me gonfle. 44 ans de mariage. Tu te rends compte? C'est un bail, ça, hein. Heureusement, comme on dit, j'ai fait le plus dur. Hein? Les hommes meurent avant nous, tu vois. Alors bientôt, je suis tranquille, débarrassé. Parce que là, je peux te dire que 44 ans de mariage, les noces de topaz, j'ai plutôt l'impression que c'est les noces d'embrouille. Ils me courent sur le haricot. J'en peux plus, je le supporte plus. Ma mère, elle me dit, c'est ta faute. J'ai dit, comme c'est ma faute, qu'est-ce que je fais? Tant je fais rien. Elle me dit, mais tu es toujours pomponné, toujours sur ton 51, tu es attentable. Oui, d'accord, je suis attentable, je fais attention. Attends, pourtant, je fais rien d'extraordinaire. Moi, je me lave juste le visage avec un peu d'eau et je suis belle. Hein? Alors, je vais te dire, il a qu'à se calmer. On dit, j'ai dit des fois, quand tu sens que ça te monte, là, sors dans le jardin, mets les pieds dans la terre, embrasse un arbre et fous-moi la paix, hein, laisse-moi tranquille. Dit. En pleine nuit, ça le prend des fois. Moi, je dors, il me réveille et tout. Dit, hein? Qu'est-ce qu'il croit que je vais me lever la chemise de nuit, la culotte, tout ça en pleine nuit? Hein, ça va pas, non? Ma mère, elle me dit, tu sais quoi? Elle me dit, bah, tu n'as qu'à pas en mettre de chemise de nuit et de culotte. Elle est folle, elle. Oh, si je ne mets pas de chemise de nuit et de culotte, je vais m'enrhumer, je vais attraper froid. Pas vrai?